Vous êtes locataire et vous avez décidé de devenir propriétaire ou vous êtes déjà propriétaire mais votre logement ne vous convient plus et vous souhaitez en changer. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes étapes d'un achat immobilier. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Virginie Correa de l'agence Progressimo. Pour acquérir un nouveau logement, que ce soit une maison ou un appartement, vous allez passer par cette étape. La première, vous devez définir votre budget et ainsi savoir de quel montant vous disposez pour cette acquisition. Deuxième étape, vous devez définir votre projet, savoir quel type de logement vous avez besoin et savoir dans quel secteur géographique vous souhaitez vous installer. Troisième étape, trouver le bien coup de cœur qui corresponde aussi bien à votre projet qu'à votre budget. Quatrième étape, faire une offre d'achat pour le bien coup de cœur. Cinquième étape, signer un avant-contrat, une promesse ou un compromis de vente à l'issue de laquelle vous aurez 10 jours de délai de rétractation. Sixième étape, obtenir le financement. Vous allez avoir entre 45 et 60 jours pour obtenir une offre de prêt. Et enfin, septième et dernière étape, la signature de l'acte authentique. Félicitations, vous voilà propriétaire de votre nouveau logement. Maintenant, place au déménagement. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant le processus d'achat, n'hésitez pas à nous les poster dans les commentaires. Vous pouvez également nous joindre par mail ou par téléphone. Et vous trouverez également un article qui détaille ces différentes étapes sur notre blog. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.